لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شفيع الإسلام الله عز وجل a accordé aux musulmans une qualité que ceux qui n'ont pas le iman ne peuvent même pas imaginer la valeur, l'importance de cette qualité. Cette qualité, c'est un ibadat, un acte d'adoration intérieur. On avait dit qu'il y a des actes d'adoration qui sont extérieurs et d'autres actes d'adoration qui sont intérieurs. Et parmi ces actes d'adoration intérieure, il y a ce qu'on appelle al-isti'ana et également al-tawakkul. Al-isti'ana, c'est quoi? C'est toujours s'en remettre à Allah et toujours retourner vers Allah quand on est dans une situation difficile. Quel que soit le problème peut être lié à la santé, peut être lié à la situation financière, quelle que soit la nature des problèmes, parce qu'il n'y a pas un être humain de ce dunya qui peut se vanter de ne pas avoir de problème, ça c'est impossible. Quelle que soit la nature des problèmes, le mu'min, celui qui a la foi en Allah, il sait qu'avant tout, il se retourne vers Allah. Et ensuite, peut-être, il ira voir des gens pour l'aider, ou il ira voir les, ce qu'on appelle les asbab, les intermédiaires. Tandis que celui qui n'a pas la foi, pour lui, si je suis malade, la solution est dans les mains des docteurs. Si j'ai un problème financier, la solution est dans la main du banquier, dans la main de telle compagnie, etc. etc. Et cette richesse que la isti'ana nous apporte, c'est quelque chose qui, bi'ibnillah, nous élève et nous permet de ne pas rester terre à terre, de ne pas se faire des fixations sur les problèmes du dunya. Parce que pour le kafir, pour celui qui n'a pas le iman, s'il lui arrive un problème, il sait que c'est de sa faute, ou alors quelqu'un lui a voulu du mal, ou alors il n'a pas agi de telle manière, il aurait dû prendre telle précaution. Tandis que le musulman, il sait que ben Allah Azza wa Jal nous demande de prendre des précautions, hein, de ne pas hein, se jeter nous-mêmes, de ne pas nous jeter nous-mêmes dans des situations compliquées, mais en finalité, s'il m'arrive quelque chose, un problème dans ma vie, c'est le destin. C'est ce qu'Allah Ta'ala avait prédestiné, et ça, jamais je n'aurais pu l'éviter. Et cela apporte aux musulmans une tranquillité dans le cœur que le kafir n'a pas et qu'il ne peut pas imaginer. Alors, le plus important dans cette qualité de al-isti'ana, et ça c'est quelque chose que nous demandons nuit et jour à Allah Azza wa Jalla. Quand nous demandons « Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in », nous attestons que « Oh Allah, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours ». Ça veut bien dire qu'avec le ibadat, l'adoration, le culte d'Allah, il y a l'isti'ana qui fait partie également des ibadat. Et que c'est un réflexe du musulman que de se retourner immédiatement vers Allah. Et pour savoir demander à Allah de l'aide, il y a certaines qualités à acquérir, il y a certaines qualités à développer de notre vie de tous les jours. Parmi ces qualités, on retrouve ça dans un hadith de base, un hadith vraiment basique que les enfants à la madrasa, ils apprennent. C'est le hadith lorsque notre prophète, alayhi salatu wassalam, était à table avec un enfant. Et il dit, « Ya Roulam, hein, il a parlé à cet enfant, il dit que je vais t'apprendre certaines choses qui te seront toujours bénéfiques. » Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ne lui a pas fait un grand discours de 2 heures ou 3 heures, non. C'est un enfant. Le prophète alayhi salatu wassalam va lui dire quelques phrases clés. Des phrases clés qui vont lui toucher dans sa foi et qu'il va retenir et qu'il va mettre en pratique tout le long de sa vie. Et ce sont des phrases clés, des leçons de iman que le musulman pourra développer mais sans limite. C'est pas que bon ça je le fais maintenant c'est ok. C'est comme les 5 salats, je les fais maintenant, qu'est-ce qu'on va me demander encore? Je les fais mes 5 prières quotidiennes. Non, ce sont des qualités d'ahili, batini, des qualités de foi. Des ibadats qui sont dans le cœur, qui ne sont pas apparents, que le musulman se doit de les développer jusqu'à la mort. C'est des phrases simples. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à cet enfant, « Ihfadillaha yahfaduk, ihfadillaha tajidhu amamak. » Il dit que respecte les ordres d'Allah et reste éloigné des péchés et Allah Ta'ala te protégera. Là on voit la première solution. Comment puis-je avoir l'aide d'Allah et puis-je avoir la protection d'Allah dans ma vie de tous les jours? Premièrement, c'est en respectant les ordres d'Allah et en faisant attention de ne pas accomplir une action pour laquelle Allah Azza wa Jal sera en colère contre moi. Si je reste éloigné des asbabs, des choses qui entraînent le mécontentement d'Allah et que j'accomplis ce qu'Allah aime, mais Allah me protégera automatiquement. « Ihfadillaha tajidhu amamak »
hein, respecte les ordres d'Allah, et tu et c'est une métaphore, tu trouveras Allah Azza wa Jal toujours avec toi. Allah Ta'ala sera toujours avec celui qui respecte ses ordres et qui s'éloigne des interdits. En commentaire, certains ulama disent que, dans certaines sources, ils disent que lorsqu'une personne, hein, jamais ne demande pas à Allah quoi que ce soit, et quand il est dans les difficultés, c'est quelqu'un qui n'adore pas Allah, qui ne fait pas l'ibadat, qui vit comme il a envie de vivre. Et uniquement, on va peut-être fermer la fenêtre, sinon on ne s'en prendra pas, c'est ça qu'on a fait. Et que, uniquement quand il lui arrive un problème, première fois dans sa vie, il lui arrive un problème, là il lève les mains et demande, oh Allah, il m'arrive telle chose. Dans certaines sources, il est dit que les anges disent, mais à qui appartient cette voix? C'est une voix étrangère, c'est une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Tandis que le musulman qui pense à Allah en permanence dans les situations de bonheur, comme dans les difficultés, c'est un musulman dont les anges ont l'habitude d'entendre sa voix, ont l'habitude d'entendre ses invocations. Et ça, c'est la troisième chose que le prophète alayhi salatu wasalam enseigne à cet enfant. Ta'arraf ilayhi fi raha, ya'arifaka fi shidda. Fais en sorte de toujours te retourner vers Allah dans les moments où tout va bien. Dans les moments où tu es joyeux, où tu es dans le bonheur, c'est un grand mot ça, ça existe ça, le bonheur. Dans les moments où tu es heureux, pense toujours à Allah. Allah Azza wa Jal pensera à toi quand tu seras dans les difficultés. Et ça, c'est un grand problème qu'il y a dans notre foi. Quand tout va bien, qu'est-ce qui se passe? On fait preuve d'ingratitude. Quand on est en bonne santé, quand, alhamdoulilah, la poche est pleine, quand tout va bien, la famille est bien, madame est bien, les enfants vont bien, ben là, on papillonne. Là, on finit par penser à d'autres choses. On fait des péchés, on néglige un peu les adorations. On baisse de rigueur dans la pratique du dîn. Mais attention, bégayer coup de fouette, quand il y a un problème, là on est premier pour mes soins. On est premier pour faire du'a, on est premier pour demander à Allah. Ça, malheureusement, c'est la nature humaine, ça. Hein, on est, c'est pas les défauts de personne, c'est dans la nature de n'importe quelle personne d'entre nous. Maintenant, nous, de faire en sorte de combler, hein, d'arriver à pallier ce défaut-là. Pour ça, me dit à cet enfant, pense à Allah dans les moments de bonheur et Allah, Azza wa Jal, pensera à toi quand tu seras dans les difficultés, et cela complète ce qu'on a dit tout à l'heure, que quand quelqu'un pense à Allah tout le temps, ben inshallah il aura l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là on a déjà vu trois solutions clés pour obtenir l'aide d'Allah dans notre vie. Premièrement, respecter les ordres d'Allah et rester éloigné de ce qui est interdit, de la sorte Allah Azza wa Jal sera toujours satisfait de nous et Allah Ta'ala nous protégera et Allah Ta'ala sera toujours avec nous. La deuxième chose, rester ferme et constant de l'obéissance d'Allah. Hein, ce que, c'est le sens de cette phrase. Pense à Allah dans le bonheur et Allah Azza wa Jal sera avec toi dans les difficultés. C'est-à-dire que dans n'importe quel moment de la vie, on reste en permanence dans l'adoration d'Allah. On n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième solution, la troisième méthode clé que le prophète alayhi salatu wa salam enseigne à cet enfant, c'est il forge la foi, le iman, le tawakkul ala Allah, la confiance en Allah. Il dit à cet enfant, i'lam, sache, ô mon enfant, que لو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه, et le contraire. Sache, mon enfant, que si le monde entier, les êtres humains, les djinns, n'importe quelle créature, ils voulaient t'apporter quelque chose, ils voulaient t'aider, ils veulent faire quelque chose de bien pour toi, mais qu'Allah n'a pas écrit cette chose pour toi, jamais ils ne pourront t'aider. Et le contraire aussi, et que si l'humanité, dans ta version, on parle de si l'humanité tout entière se réunissait pour te faire du tort, sache que personne ne pourra te faire quelque chose de plus que ce qui a déjà été écrit dans ton destin. Ça veut dire quoi? Ça nous ramène aux premières phrases. Si Allah a décidé de te protéger, si tu respectes ses ordres, et qu'Allah te protège, et qu'Allah est avec toi, ben tout ce que tu vois autour de toi, même s'il y a des ennemis, il y a des gens qui veulent te faire du mal, physiquement, par le biais des coups, ou alors en portant atteinte à ton honneur, à ta réputation, en essayant de faire chuter ton travail, ton commerce, ton chiffre d'affaires, ou par le biais de la sorcellerie, n'importe quel type de mal qui peut exister, si Allah a décidé de te protéger, sache que les plus grands sorciers, les plus grands médecins, les plus grands fous, les plus grands psychopathes, les plus grands méchants, ils peuvent se réunir pour te faire du tort, mais ils ne te feront strictement rien. À travers ces quatre conseils, notre prophète alayhi salatu wassalam est en train de préparer la foi de cet enfant. Nous, malheureusement, on enseigne les ibadat qui sont apparents. Hein, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On enseigne la salat, on enseigne le somme, le hajj, la zakat, etc. La lecture du Coran, on perfectionne la lecture du Coran, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait revenir au modèle prophétique, c'est-à-dire travailler l'intérieur de l'enfant.
Il sait c'est qui son créateur, il sait vers qui se tourner dans n'importe quelle situation de sa vie, et il sait qu'est-ce qu'il a à gagner à rester un fidèle adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait en qui placer sa confiance. Et il fait surtout la différence entre Khalid et Makhlouq, en créateur et créature. Voilà. Autre conseil, ça c'est à la fin, le prophète me dit que, et sache mon enfant que, wa anna al-nasra ma'a al-sabri, wa anna al-faraja ma'a al-karbi, wa anna ma'a al-usri yusra. Le prophète enseigne à cet enfant, à la fin du hadith, que le musulman ne doit jamais désespérer. Même si on est dans une situation difficile, en aucun cas le musulman doit ne serait-ce une seconde penser qu'Allah m'a lâché, Allah m'a abandonné, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir. Là, Wallah, ça me dit que, sache que l'aide d'Allah vient avec la patience. Il y a dans les difficultés, si Allah voit que le mu'min fait preuve de patience, Allah Ta'ala lui enverra son aide. Wa anna al-faraja ma'a al-karb. Quand Allah voit une difficulté, sache que l'ouverture est proche. Et le verset du Coran, wa anna ma'a al-usri yusra, verset qu'on retrouve dans le Coran, inna ma'a al-usri yusra, répété en deux fois. Lorsqu'il y a la difficulté, Allah Ta'ala également envoie la facilité. C'est-à-dire que garder la confiance en Allah. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. En aucun cas, le musulman doit faire en sorte de ne pas sombrer dans ce qu'on appelle, de nos jours, c'est un grand terme, ça, la dépression. Allah nous protège, il y a des gens qui sont dedans. Hein, on n'est pas en droit de dire que oui, il ne faut pas. Non. C'est-à-dire que si vraiment on essaie de se remonter, pas par le biais de médicaments ou par des remontants, par des conseils de psychologues ou de psychiatres, non. C'est-à-dire que si ma foi, elle a le potentiel qui est requis dans le dîn, dans la religion d'Allah Azzawajal, si on a le iman nécessaire, logiquement, le musulman peut s'en sortir dans n'importe quelle situation de sa vie. Parce que de un, il sait qu'avant tout, il y a le destin. Le taqdir. Et on n'échappe pas à son taqdir, comme on vient de le voir.